Bien salut tout le monde, Sexy Blue Nerd, on se retrouve pour la suite de Mass Effect 3 après avoir aidé Samara au monastère. Donc là on va aller parler au Carien. Carien, quand même. Des poteaux. Bon, je déconne. Je m'en fous. On va les aider tranquillement. Oula, plein de trucs, je vais laisser. On va regarder, c'est le reste du coup pour tout à l'heure. Je reviendrai pour faire un petit tour là-bas à Kalini. Ah, petit tournoi. Let's go. Car rien, ça excite un peu là, je trouve. Saut de l'envoyé Carrien. Si par contre ça se fait. Alors, sur le gaz, sur le gaz, c'est bon. Ok, bon, on y va. Faut que je me mette en tenue officielle. Commandant Shepard, quel plaisir de vous revoir. J'aurais aimé que les circonstances soient meilleures. Bon, c'est comme ça, Ran. J'espérais votre soutien pour combattre les moissonneurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 17 jours, nous avons frappé 4 systèmes GET. Déclenchant une guerre pour reprendre notre planète d'origine. En violation de notre accord de non-provocation des guêpes, passé avec le Conseil. La violation d'un traité n'est rien quand il s'agit de récupérer notre planète et notre. Ouais, c'est une barge de technologie en fait. Guirel, c'est comment, de la frégate lourde, Coris, les civils. Et Ran, je sais plus. Votre planète, vous parlez de Ranok? En effet, commandant. Il y a 3 siècles, notre monde est tombé aux mains d'IA de notre création, les guêpes. Après avoir tenté de les tuer. Mais pas du tout, Coris. Nous voulions les désactiver. Ce n'était pas un meurtre. Si, c'était un meurtre. Commandant, les Cariens ne voulaient pas créer une véritable IA. C'était un accident. Auquel vous vouliez remédier par un massacre. Et bon, on s'en bat les couilles. Laissez tomber. Le fait d'admettre que nous avions tort priverait notre invasion suicidaire de tout fondement. Vous vous jetez droit sur les guettes? Encore? Mais cette fois, ce sera peut-être véritablement la fin de notre peuple. Nous les avions repoussés jusqu'à notre système d'origine, lorsque ce signal a été transmis à tous les vaisseaux guettes. Les moissonneurs. Avec les moissonneurs, les guettes sont sensiblement plus efficaces. Notre flotte est clouée dans le système d'origine. Pour gagner... Gagné, vous avez insisté pour engager les vaisseaux civils, amiral Guirel. Il faut nous replier ou nous les perdrons. D'où le signal est-il émis? De là. La cuirasse est guette. Il surclasse tout ce que nous avons et il est lourdement défendu. C'est pas de la merde. Les systèmes furtifs du Normandie nous permettront d'approcher. J'aborde, puis je coupe le signal des moissonneurs. Oui, couper le signal devrait complètement désorganiser les guettes. Et vous profitez de la confusion pour vous replier par un relais cosmodésique. Bien. Nos bâtiments civils ont déjà vu trop de combats. Est-ce que vous êtes vraiment certain de couper le signal? On va vous tirer de la sans casse, amiral. Notre dernier amiral s'est aussi porté volontaire comme expert technique. Talizora, Vast Normandie. Ah, le Vast Normandie qui fait plaisir. Allez, au revoir, Tali. Amiro, je vais préparer une équipe pour l'abordage. Merci, commandant. Le VAS, en fait, le... c'est pour dire que le vaisseau l'appartient. Les amiraux l'avaient bien cassé les couilles. Amiral. C'est à titre formel. Je suis experte en guette. Et comment? Contente de vous voir. Si j'avais su tout ça, je serais venu bien plus tôt. Vous aviez vos propres ennuis. Je suis navré pour la Terre. Notre flotte est la plus grande de la galaxie. Aidez-nous et nous jetterons nos forces contre les moissonneurs. Du moins, ce qu'il en restera après cette folie. Je vous aurais cru pour l'invasion. Non, j'ai côtoyé Légion. J'ai fini par croire à une solution pacifique. Alors pourquoi les aider? Je suis amiral. Des gens prennent exemple sur moi. Un désaccord public diviserait la flotte. Tali, je vais mettre votre peuple à l'abri. Merci, Shepard. Et juste en passant, je dois rester professionnel devant les amiraux. Pour des choses plus personnelles, discutons plutôt en privé. Bien sûr.
Je suis prête à aborder ce cuirassé quand vous voulez. No problem. C'est où? C'est pas d'être là. Ah, c'est juste à côté. Mal de merci. Let's go. Je savais pas que j'avais accès tout à l'heure. Ah ouais. Vu que je suis furtif, en fait, je me fais... J'en ai des guettes. Là c'est leur annonce, c'est la flotte de Madre. Où la flotte lourde? Elle est où la flotte lourde? Ah c'est pas grave. Ouais je pense bien qu'on pourra pas le choper celui-là. Oh c'est vrai. Ouais on va prendre. Petite fille là. Petite fille. Moi j'espère qu'elle va se faire toute seule. Alors bon. Why not? Mettre un clé mort. Pas de gros bourrin. Bien comme ça. Ah ouais, non, faut peut-être que je change. Bon ça c'est pour les cinématiques seulement, j'aurais dû changer. Remonter athlète. Encore. On va monter ça. Cimer. Ah. Nous approchons du monde des Cariens. Arrivé sur Anok dans 5 minutes. Que disent les balises de transmission? Tempête de merde à l'horizon, commandant. J'ai détecté plusieurs centaines de signatures de vaisseaux uniques en plein combat. Qu'est-ce que je viens de dire? Allons-y, Joker. Mode furtif en marche. Maintenant, à moins de commencer à chanter l'hymne national russe, ils ne nous détecteront pas. Quel troll, ce type. J'ai réussi à accéder à leur protocole d'amarrage. En vrai que tu puisses voir un vaisseau comme ça, si passe à côté, on gagne une guerre à côté. D'accord. Une fois à bord, on trouve ce qui émet le signal des moissonneurs et on le neutralise. Dali est notre experte en programme GET. Elle sera en charge du piratage et de la sécurité. Comme expert, on ne pourrait pas demander mieux. On dirait que vous êtes devenue une pointure, vous aussi. Prête à infiltrer le cuirassé? Parfaitement. Shepard, il y a un problème. Tous les conduits sauf un sont verrouillés. Je vois celui qui reste. Il est en sale état. Trop risqué pour toute l'équipe. Je vais sécuriser la zone d'amarrage. Vous pourrez tous me rejoindre ensuite. Bien reçu, commandant. On reste ici. Et discret, bien sûr. Tenez bon, j'en ai pour une minute. Let's go. Et oui, on peut marcher sous les mules. Que les carriers en aient bavé. Ce bâtiment est énorme. Il est 30% plus grand qu'un cuirassé de l'Alliance. Ah oui. Quand c'est l'Alliance, plus c'est pas de la merde. Hein. Ils font des beaux vaisseaux, l'Alliance. Ouais, les carriens, bah. Oh, salut, Normandie. Les 15, c'est les mêmes vaisseaux qu'ils ont depuis 300 ans. Quoi. Donc voilà. Attention des projectiles. Je vais me prendre dans la gueule. Ah c'est Louis. Oh,
Tout va bien, Shepard ? Tranquille. L'absence de pesanteur est un peu troublante. Vous vous sentirez mieux une fois à bord du cuirassé. Il y a de la pesanteur artificielle. En attendant, je vais essayer de me débrouiller avec ces bottes. Prenez votre temps, commandant. Rien ne presse. Sauf si quelqu'un regarde par le hublot. Les vaisseaux Get n'ont pas de hublot. Ils utilisent des scanners thermiques pour la détection à courte portée. Je suis immunisé à toute forme de logique. On y est presque. Pour me suivre, ça va être un peu compliqué. J'en déduis que vous ne préférez pas y aller tout seul. J'aimerais mieux éviter. Demandez à Tali de consulter le plan du cuirassé. Si elle peut me guider jusqu'à un autre tube, je désactiverai les commandes, puis vous pourrez me rejoindre. Je suis à l'intérieur, j'ai de la pesanteur. Ah. Bien, alors je cherche. Trouvez. Il y a une brèche dans la coque, pas loin de vous. Le tube d'amarrage le plus proche est juste de l'autre côté. Je crois que j'ai trouvé la brèche dont vous parliez. L'amiral Guerrel a tenté un assaut frontal. Nous avons perdu 6 frégates, sans faire d'autres dégâts que ce trou minuscule. Minuscule, ce n'est peut-être pas le bon mot. Vous auriez procédé différemment ? Oui. Son plan était trop agressif. J'ai tenté de l'en dissuader. Mais il ne m'a pas écouté. C'est Guerrel. Et les autres amiraux ? Xen a soutenu Guerrel, sans doute pour tester ses nouveaux jouets. Vaan a donné son accord du bout des lèvres. Seul Coris s'est rangé à mes côtés, et les faits nous ont donné raison. La flotte pourrait bien disparaître, Shepard. Nous allons mettre votre peuple à l'abri. J'ai trouvé un autre sas. Je pense qu'on peut y aller. Parfait. Désactivez les commandes. On arrive. No problems. Voilà. Oh. Un autre. Let's go. Ça y est, permission d'embarquer. Tu as de la pendentin, mais t'as pas d'oxygène ici. Shepard, vous allez bien ? Vous vous inquiétez pour moi ? Faites voir, je peux peut-être arriver à l'ouvrir. En attendant... Et en fait, je suis en couple avec elle. Regardez ça. Ah, puis c'est l'arc. Voilà, c'est ouvert. On peut y aller. Impressionnant. C'est une invention de l'amiral Xen. Ça génère une onde. Bon, on cherche quoi ? Nous devons atteindre la salle des opérations. De là, je pourrais désactiver le signal des moissonneurs. Et où elle se trouve ? Derrière leur réseau défensif et un rideau de capteurs. Et c'est reparti pour les conduits de ventilation. Bon, vous en êtes très bien tiré dans la base des récolteurs. J'ai failli vous les vivre. Intéressant. C'est très cher, mais surtout très efficace à courte portée. Quand la flotte a attaqué le cuirassé, ces lasers ont littéralement découpé nos vaisseaux. Dépêchons-nous d'atteindre la salle des opérations. Lolata. Non, ils ont pas de tête, c'est chiant. Les renforts sont en arche. Mardi. Je n'entends pas d'alarme. Ce sont des guets. Toutes les unités du vaisseau ont été alertées. Nous devons atteindre la salle des opérations avant d'être coincés ici. Je vais tellement défoncer parce que je suis trop nul. Voilà, c'est par là. J'aime pas avoir un casque sur les queues. Oh, le one shot. Leurs attaques deviennent suicidaires. Ils sont interconnectés. Plus on en détruit et plus ils deviennent agressifs. Détruisez leurs boucliers. Ne leur laissez pas le temps de recharger. Ok. Oula.
Une mine. Nous subissons de lourdes pertes. Le canon planétaire des Geth fait des ravages au sein de notre flotte. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour les aider? Rien. Sinon faire en sorte que leur sacrifice ne soit pas inutile. Pourquoi doit-on aller jusqu'à la salle des opérations? On ne pourrait pas se connecter à une console? Non. Il y a trop de systèmes de sécurité. Les Geth pourraient facilement nous contrer. La salle des opérations du cuirassé est devant. Bien, coupons le signal des moissonneurs et foutons le camp d'ici. Oh, les chasseurs. Et voilà les chasseurs. Nat, tu peux tirer? Je peux tirer en vrai. Ok, c'est un peu l'autre pas. Bon. C'est de la meilleure arme quoi. Entre eux. Bien. Attention, il reste des chasseurs furtifs. Qui ça? Putain, c'est un allié. C'était le dernier. Je vais essayer de voir si mon gun marche, parce qu'il est pas donc cassé. Bon, voyons si cette console est opérationnelle. J'ai cassé mon pistolet. Bah comment, j'en sais rien, il voulait plus tirer. Peut-être, je suis peut-être resté trop longtemps en train de viser, ça a dû faire un peu le bordel. Bon, ce sang. Bon sang, ils ont verrouillé le signal des moissonneurs. On ne peut pas le couper depuis la salle des opérations. Là-bas, le signal des moissonneurs vient des propulseurs. Donc si on y arrive, on l'éteint. Oui, mais comment y arriver? Les guettes ont scellé les cloisons d'urgence pour nous barrer la route. Il faudrait un chemin qui longe tout le vaisseau pour atteindre le propulseur sans risquer d'être bloqué. Et la batterie principale, elle est juste à côté du propulseur. Ça pourrait marcher. Mais... Les guettes nous ont enfermés ici. Il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Ils ont verrouillé les processus supérieurs. Il nous faut quelque chose de simple, un signal d'alerte, comme pour un incendie. Voilà. T'as trouvé? Ça pourrait venir du chauffage. Et si je simulais une alerte thermique, tous les conduits de maintenance s'ouvriraient pour une évacuation d'urgence. Même avec le verrouillage en cours? Oui. Ok, tout est prêt. Attention à vous, je détecte des guettes hostiles derrière ces portes. C'est que des normaux, je pense. Arrête ton casque, je parle. Dégueulasse. Il tombe du plafond. Il y a peut-être des chasseurs camouflés. Ah non, c'est léger. C'est trouvé. Ces connards là. Il se met en vite, hein, par contre. Hein. Compris. L'arme est tellement en couille de l'eau. Trop mal. Attention, une nouvelle vague. On va monter. Ah! Problème de tirage. Dégage. Putain, il est nul. Le processeur central du cuirassé traite un volume de données phénoménal. Il est connecté à tous les quêtes du réseau. C'est-à-dire? Il reste encore. Voilà. Compris. 5.
Ah, c'est bon, tout puits de maintenance avant que leur renfort n'arrive. Ah ouais, notre problème. Le style de ce vaisseau ressemble à celui des Cariens, mais il a été conçu pour les synthétiques, pas pour les organiques. Toutes les espèces n'ont pas les mêmes goûts esthétiques. C'est un style alien. C'est incroyable que les Geths puissent transférer leur intelligence directement dans leur vaisseau. Ils pourraient être tous là autour de nous. Peu importe les améliorations cybernétiques, je ne comprendrai jamais une intégration si totale à un système. La batterie principale ne devrait plus être loin. Je, pense pas je suis étonné de vous voir sur cette mission, Tali. Même un amiral doit servir son peuple. Sans compter que je suis plus doué pour le piratage que pour le commandement. Pirateuse. Bon, y'a pas de truc à prendre. Ah. Bon sang. Message prioritaire. Un canon de défense planétaire vient d'abattre le vaisseau de l'amiral Corys. Y'a des survivants. Des modules d'évacuation se sont échappés. L'amiral Rahan tente d'établir le contact. Passez-la moi. Shepard, ici Rahan. La flotte lourde est en déroute. Je ne sais pas combien de temps nous allons pouvoir tenir. Okay, nous aurons bientôt désactivé le signal du moissonneur, amiral. Ah ouais, je me souviens, c'est stylé. Bon, ce micro s'attire, je crois. Bon, je vais vérifier. Ah, c'est là. Ah non, c'est là. Attention aux ondes de choc, ce canon est énorme. Je crois qu'on ferait mieux de rester à couvert. Envoie la vie. Vraiment pas. Voilà. Et il m'a couvert à sa fin. Il faut le désactiver. Ils sont aussi là-haut. Il devrait y avoir un verrou de maintenance de la batterie. Eh mais elle meurt tout le temps, elle est inutile. Ouais, on lui fait prendre bien aussi. Meurs, 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 meurs. Oula. Il y a un pompe en plus lui. Pas si violent. Il est mort aussi. Ouais, c'est le sauvetage général. Oh chier. Là je suis pas loin, je suis pas très bien. Il est contourné, ça marche pas. Il fait mal. Ah, sérieux. Je vais toute ma confiance. Ah mais. Oh, je me casse. Je vais voir où. Ouais, bon, je m'en fous, tiens, sur le center. Ok, salut. On voit même pas ses yeux quoi, c'est le pire. Bien, ils ont arrêté de tirer. Bon. Nous avons gagné un peu de répit. Tirons-nous d'ici. Et bah arrête de parler, dépêche-toi. Tiens. Le verrou. Vite, il faut sortir d'ici. C'est bon, c'est la famille. Okay. Mais... Attention à vos boucliers! Restez à couvert! Et mais justement, je suis joué. Aïe.
tard. Voilà, au dernier moment. Hop. Je suis pas bien. En vrai, je fais que des petites midgets depuis tout à l'heure. Toujours vite. On a un peu de rap, ça, cette quête devrait être riche. On sait pas pourquoi. Tiens. Shepard, prenez ma main. Lyara, c'est pas toi. Putain. Elle, c'était Lyara dans ça. Bon, elle fait une singularité, ça va être bon. Ouais. Ok. Parfait. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres ascenseurs. Oui, bref. Remettons-nous en route. Calme-toi. Administrateur Shepard, aidez-nous. Légion. Shepard, attendez. Les guettes sont contrôlées par le signal des moissonneurs. Ouais, ce truc-là. Donc, si ça se trouve, Légion est avec eux. Il aurait pu rejoindre les moissonneurs de son plein gré, ou bien être piraté. Légion nous a aidés à combattre les moissonneurs. Ils n'auraient jamais accepté ça. Votre prudence est légitime. Une fois libres, nous nous soumettrons à toutes les astreintes que vous jugerez utiles. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais c'est bon de vous revoir. De même, créatrice Zora. C'est quoi ce truc ? Cela utilise nos réseaux pour diffuser simultanément à tous les guettes le signal de l'ancienne machine. Alors vous en délivrez devrait désactiver ce signal. Non, ce n'est pas aussi simple que cela. Nous sommes retenus par un dispositif non loin d'ici qui neutralise notre système. Le dispositif de verrouillage est au fond de la pièce. Nous vous guiderons. De l'autre côté de la salle, c'est bien ça ? Oui. La désactivation ne devrait pas poser de problème. Les consoles sont protégées contre les attaques virales, pas physiques. Comment les moissonneurs ont-ils pris le contrôle des guettes ? Ils n'ont rien fait de tel. Lorsque les créateurs ont attaqué, les guettes ont simplement accepté l'offre des anciennes machines. Je croyais que les guettes normaux refusaient de se soumettre aux moissonneurs. Ah, ça y est. Ici Talizora, le signal va être mis hors tension. Ici l'amiral Tangarel, on vous revendra ça. Verrouillage levé, nous sommes libres. C'est bon, en Légion. En vrai, dégueulasse l'armure. C'est vrai qu'on a le crédit pour cette merde, je suis un peu dégueu. Là.
En signe de coopération, nous avons désactivé le propulseur du cuirassé. Toutes les armes et barrières sont neutralisées. Alerte! Renfort Gate en approche! Oh non, pas les primes. Le signal a disparu. Attention. La flotte Gate est déstabilisée. Flotte civile, préparez-vous à partir. Les patrouilleurs vous couvriront dès que la flotte lourde sera en position. J'attends vos ordres, Amiral Gerel. Ce sera plus facile pour les carriens. Ah non, il faut y rentrer. Une tourelle. Un drone de combat approche. What? Une fois que c'est bon, bah, tranquille. Ah, vraiment trop mal. Lâche ta merde. Oula, pas d'ali. Oh, j'ai des grenades. On va les couilles, ça sert à ça. Alors, ça fait quoi de se faire enchaîner? Alors... Ouais, c'est mon pistolet est cassé. Oh, il est sérieux. Ces boucliers et son canon principal sont désactivés. Si nous frappons tout de suite, nous pourrons le détruire. Gerel, c'est notre chance de mettre la flotte civile à l'abri. Hey, qu'est-ce qui vous prend? Nous sommes toujours à bord. C'est maintenant ou jamais. Flotte lourde, en avant. Détruisez le tracé. Patrouilleur, maintenez votre position. Han, la flotte lourde a besoin de vous. Nous sommes votre seule protection contre les guettes. Si nous mourons, oh, c'est quoi ça, tiens? Eh ben, comment pas les mettre en danger? Les guettes d'abord, on se chargera des amiraux plus tard. Ce que je peux comprendre, hein. Là, je fais tout à jour possible. Oh, j'ai oublié ça. Ouais, je peux limiter les... Déjà, j'en ai tellement que... C'est bon? Y'a encore combien? D'avoir un bout de temps. Patrouilleur, placez-vous en soutien de la flotte lourde. Donnez-lui une fenêtre de tir. Ran ne veut rien faire, c'est normal. Faut comprendre. Les gars, ils sont un peu peinards. Alors qu'ils tombent deux, ils sont. Oh le fils. Administrateur Shepard, la flotte carrienne tire sur notre vaisseau. Mais court. Sans barrière, ce vaisseau ne fera pas long feu. Nous devons évacuer. Nous devons atteindre les modules d'évacuation. À court. Les guettes n'utilisent pas de modules d'évacuation. Nous transmettons les données par signal distant. Des suggestions? Il y a des chasseurs.